Ce matin, il y avait le petit niveau de stress habituel avant ce genre de départ. Et puis là, ça redescend doucement. On est à bord, on va bientôt partir sur l'eau. Puis après, sur l'eau, on est dans notre routine, on est dans ce qu'on sait faire, on prépare notre départ. Et puis finalement, les choses se remettent en place et puis le stress diminue avec. C'est vrai que là, on a une étape qui va être intéressante. Il va y avoir plein de coups à jouer. Donc c'est vrai qu'il va falloir être dans les bons paquets, parce que je pense qu'un tôt ou tard, il va quand même y avoir des paquets qui vont se former, des options qui vont se dessiner. Un mille peut vite se transformer en termes de temps si le vent se tombe complètement à la fin, en écart de temps conséquent. Donc il faut être vigilant, ça peut déjà créer des écarts dès la première étape. Ouais.